Ce fut naguère le service, et ce sera pour toujours l'honneur de la Résistance d'avoir voulu faire d'un pays prostré, humilié, opprimé, comme l'était la France, à la suite du désastre et de la capitulation, un peuple belligérant, fier et libre. Sans doute, quels qu'aient pu être les efforts et les sacrifices de ceux qui ne renonçaient pas, n'y aurait-il eu jamais ni redressement national, ni libération, ni victoire, sans l'entrée successive dans la guerre de nos alliés et le déploiement progressif de leurs forces sur les champs de bataille. Mais leur triomphe nous eût laissé à coup sûr déconsidérés, déchirés, en proie à tous les démons de l'amertume et de la honte, si nous n'en avions pas pris notre part, directement et à tout risque, comme nation et comme État.